Après 6 semaines d'insurrection citoyenne, les Gilets jaunes persistent dans l'action. Nous savons que leur décision est réfléchie. Ils ne sont pas si différents de nous tous ici. N'ont-ils pas assez souffert pour être respectés? Car on évoque, à juste titre, pour le déplorer, à juste titre, les 187 blessés parmi les policiers et les gendarmes qui ont émaillé ces semaines de mobilisation. Mais que cela ne nous fasse surtout pas oublier un autre décompte terrible. 865 blessés parmi les manifestants, 6 morts causés par des contre-manifestants, 1 personne dans le coma, 3 personnes dont la main a été arrachée par une grenade, 4 autres ont perdu un œil à la suite d'un tir de flashball. C'est pourquoi, avec la permission du président, sur le temps de parole dont je dispose, je décide de consacrer une minute de silence en hommage aux personnes mortes dans leur engagement citoyen de Gilets jaunes, et je vous invite à vous joindre à moi. Merci, collègues. La patrie est témoin de son unité.